Bonjour tout le monde ici en Gare, bonjour. Bonjour à vous tous, partagez massivement. Partager parce que je ne sais pas partager. Le partage est devenu limité pour moi. Donc je compte sur vous parce qu'il ne faut pas qu'on nous manipule. Merci Suzanne, merci. Tu sais, comme les gens pensent que parfois on décide de vivre simplement, ils pensent qu'on ne peut pas se mettre correct. Donc, vu que j'entre dans un sujet très délicat, j'ai intérêt à être propre et présentable. Partagez, partagez, partagez massivement. Bonjour à toi Fazi Jamal. Un mot de soutien à notre maman Gwanamari qui est détenue à la prison d'un fou. Elle a besoin de notre soutien et de sa libération. L'injustice a touché maman Maringono. Maman Maringono, nous sommes avec toi. Partagez, partagez, non à la distraction. Vous n'allez pas nous manipuler. Nous ne sommes pas les pions de certains qui veulent faire de la perte de notre frère Martinez Zoro une déstabilisation dans le Cameroun. Nous disons non à la manipulation de la population, nous disons oui à la justice. Nous voulons tout simplement la justice dans le Cameroun. Nous ne sommes pas des inspecteurs Colombo, nous ne sommes pas les procureurs. Nous sommes la nation qui veut tout simplement la justice dans le Cameroun. Partagez, partagez. Partagez massivement. Partagez. Partagez, surtout allez me chercher les leaders et camps de venir ici. Ceux et camps qui se disent patriarches, vous êtes convoqués ici. Où sont les patriarches de la Lekie? La Lekie est dans la merde et la Lekie veut manipuler la population. Nous ne voulons pas la manipulation, nous ne voulons pas la distraction, nous voulons tout simplement dire on ne peut pas se permettre d'assassiner une personne avec tant de cruauté et nous réclamons la justice. La justice est rien que la justice. Nous ne sommes pas là pour dire nous ne sommes pas là. Nous ne voulons pas tribaliser la perte de Martinez Zoro. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun a déjà des moments, vit des gens dans la psychose. Les Camerounais vivent dans la peur. Votre combat des clans ne concerne pas la population, mais on ne vous laisserait pas faire. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes réveillés. Tout va se passer, tout va se gagner dans les urnes.
Ils veulent nous manipuler, ils veulent vous manipuler. N'acceptez surtout pas. Pour votre conscience, pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt commun et pour aider notre leader du groupe de l'opposition à gagner les élections officiellement dans le Cameroun, nous devons garder le Cameroun dans sa stabilité. Bonjour à toi, Mamoutou, Mamouta. Honor, bonjour à toi. Bonjour à son excellence Maurice Kamto. Bonjour au roi Soukotcho. Et bonjour à tout le Grand Nord. Bonjour au Grand Nozo. Bonjour au littoral, sans oublier le centre. Surtout, allez me chercher Fadelin Nke. Fadelin Nke, tu es convoqué ici chez ta sœur. Allez me chercher tous les tribalistes et camps qui veulent se servir de la population parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Il n'y a que le pouvoir qui les intéresse. Ils ne se préoccupent même pas de la mort de leurs frères. La perte de Martinez Zogo n'est pas leur plat de midi. La perte de Martinez Zogo ne les empêche pas de manipuler en cherchant tout simplement à utiliser la nation à se soulever pour mettre un chaos dans le Cameroun. Vous n'allez pas mettre le chaos dans le Cameroun, vous n'allez pas déstabiliser le Cameroun. Partagez. Ils ont commencé la déstabilisation dans les groupes WhatsApp radicalisés. Ils se passent des messages. C'est inacceptable que nous avons une petite poignée de personnes se disant représentants des hommes lords. Ils adorent ce titre. Ils adorent se faire passer par des rois, d'aller faire des mises en scène. Et nous sommes là pour vous partager et pour vous démontrer la vérité. Nous allons parler des rencontres. Nous allons parler d'un monsieur. James Bond 007, le sniper. L'ambassadeur de la communication. C'est lui-même qui a la stratégie des numéros entre l'opposition et les aéroports des atterrissages forcés. Celui-même qui met les combattants en relation, celui qui a les numéros, James Bond aux États-Unis. Merci à toi, Brice. Bonjour à mon grand frère Patrice Nouma aux États-Unis. Patrice Nouma, j'ai bien écouté ce que tu as dit. J'ai été très attentive dans notre dernière conversation par WhatsApp. Bonjour à toi, Patrice Nouma. Je prendrai un verre d'eau parce que ce dossier est très délicat. Et un grand bonjour à tous les combattants du MRC. Nous allons aussi en parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours dans j'ai été invité chez les talibans parce qu'ils veulent faire une marche le 4. J'en parlerai de ce qui s'est passé parce que j'ai assisté à leur réunion WhatsApp avec Patrice Nouma et je vous ferai part. Je vous parlerai du travail qui a été préparé avec une équipe de Camerounais, des journalistes, des philosophes dans cette réunion. Nous étions ensemble avec le grand Eric Tchungé, le grand Patrice Nouma. Il n'est pas venu à la réunion Patrice Nouma. Je rectifie. Nous étions en séance de travail pour aider le gouvernement camerounais à passer une transaction par des élections à l'amiable. Ce travail a été dirigé par Eric Tchungé. Moi-même, Wana Polony, Calice Beyala,
en que Dieu donnait et somba. Ils étaient nombreux, Baïbek. Nous étions nombreux à vouloir aider le Cameroun. Bonjour Mamoudou Mota. Salam alaikum. Tu es un homme vraiment formidable. Grand au grand snapper. Grand à James Bond. J'ai pu avoir une très belle conversation politique avec Mamoudou Mota. Tu auras mon soutien aux élections où tu veux être maire. On votera pour toi, Mamoudou Mota. Tu mérites d'être le maire au Grand Nord. Nous avons décidé de travailler dans un terrain commun avec tous les Camerounais, avec une seule idée, aider le président Paul Biya à trouver une solution pour la transition. Au début, M. Fadela Nke ne connaissait pas M. Eric Tshindji. Je décide de mettre M. Nke en relation avec M. Eric Tshindji. Ce dernier, M. Nke, fait des échanges parfaitement en anglais avec Eric. Et Eric intègre le groupe d'une façon volontaire. Et M. Eric Tshindji avait dû faire un voyage au Cameroun. Je parlerai de villageoise de Kouat, qui est une véritable combattante contre la maréchale Mafungana Polony, parce que je suis une biaïste. J'ai eu une très belle échange avec la combattante de l'Angleterre, Sandy de Boston, qui me respecte parce que vous avez voulu manipuler Sandy de Boston pour entrer en guerre avec moi. J'ai eu une très belle échange avec Sandy de Boston. Sandy de Boston, good morning ou good afternoon. Kalis Beyala a toujours été une femme qui est restée sur sa position. Dans ce groupe de travail, ça a été très difficile de rester dans un travail commun entre Baïbek, Dieudonné et Somba, Monsieur Eric Tshindji, moi-même, Nke, et des grands professeurs de l'Allemagne, aux États-Unis, en France, au Cameroun, en Chine. Nous étions nombreux dans ce forum et on avait formé un petit groupe secret pour travailler, pour aider le président Paul Biya. Monsieur Eric Tshindji avait déjà fait des lettres au président Paul Biya. Ces lettres n'ont jamais été transmis au président Paul Biya. Monsieur Eric Tshindji, cherchant des solutions partout, j'ai fait tout pour tout pour l'intégrer dans ce groupe de travail. Mes frères, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, ils étaient nombreux à vouloir travailler dans un groupe de travail. Cela a été difficile par notre philosophe Fradela Nke, parce que à peine M. Eric Tshindji était au Cameroun, où M. Eric Tshindji invitait M. Nke chez lui pour partager un gâteau pour ses un an de plus. M. Eric Tshindji a invité M. Nke. M. Nke était dans son salon avec Baïbek. Partagez.
On avait reçu des premières photos où M. Anke faisait comprendre aux Camerounais qui sont déjà en travail. Il avait des grands projets. La photo avait été postée dans les réseaux sociaux. Tout de suite, j'ai interpellé M. Eric Tshindje, qui n'est pas un homme des réseaux sociaux. On peut bien voir sur ces photos qu'il se partageait un gâteau. Après cela, ce dernier avait été invité sur un plateau de télé où il disait qu'il y avait un groupe de personnes et il mettait en avant M. Eric Tshindje en le faisant passer de celui que Paul lui avait dit « Il suffit d'un coup de tête, tu n'es plus rédacteur en chef à la CTV. » Le groupe de travail avait été choqué. Il parlait déjà de ce travail comme si notre groupe était là pour déstabiliser Paul Biya. Il parlait déjà comme si nous étions un groupe de Camerounais qui allons passer dans une révolution pour chasser le président Paul Biya. Dieudonné Essomba n'a pas beaucoup assisté à nos réunions. Fredelin Anke a invité beaucoup de personnes à Douala, même certains blogueurs. Beaucoup n'ont pas pris place. C'est là que Cathy Meba entre en scène avec son livre « Si Paul Biya était Moïse ». Cathy Meba pense que Paul Biya est Moïse parce que Paul Biya a fait 40 ans de pouvoir et c'était 40 ans de traversée du désert. Donc les 40 ans de misère pour Cathy Meba, c'est la traversée que Moïse a fait avec son peuple pour sauver son peuple. Ça a été très difficile parce que le livre que a écrit Cathy Meba en collaboration avec d'autres personnes, on a demandé à Maurice Kamto de signer ce livre. L'idée avait été rejetée de faire la signature du livre. Finalement, il décide de demander à M. Eric Tshindje de venir signer le livre. Cela a été une catastrophe dans notre groupe de travail. Kalis Veyala a pété un câble. Anke a pété un câble. Ça nous a séparés dans le groupe. Parce que Kalis Veyala n'accepte pas que Paul Biya est. N'accepte pas que Cathy Meba peut écrire un livre. Vous savez, moi je suis dans le vivre ensemble, j'ai essayé d'écrire. Ça n'a pas été facile quand tu es en groupe de travail avec les grands intellectuels au long crayon, au bac plus 20. J'ai découvert que nos intellectuels étaient des incapables. J'ai découvert que nos intellectuels étaient des personnes qui ne pensaient qu'à leurs intérêts pour des postes ministériels dans le futur. Anke a insulté Eric Tshindje. Kalis Veyala est resté dans la critique. Anke a dit à Eric Tshindje, tu ne peux pas aller soutenir un livre que tu n'as pas lu. Tu vas soutenir parce que tu aimes Paul Biya, parce que tu as peur de Paul Biya. C'est là que les problèmes avaient commencé dans le forum de travail. Ainsi, Dieudonné Essomba est resté loin et distant. Déjà même, la première semaine de travail, on voulait y chasser Baïbek. Oui, on croyait que Baïbek n'est pas ceci, Baïbek n'est pas cela. Vous savez, Baïbek a un franc parler. Finalement, dans ce livre, si Paul Biya est Moïse,
nous a divisé dans le forum. Il ne sait pas si vous avez lu le livre de notre sœur Cathy. Cathy demande, dit que Paul Biya est Moïse. Les 40 ans de pouvoir, c'est la traversée avec nous dans la souffrance. Voilà donc que nous décidons de faire un autre groupe de travail que Nke appelle Loge. Et là-bas, personne ne parle, on ferme les yeux. On réintègre nous tous avec Dieudonné Somba, Calice Beyala, moi, Eric Tchindje, des écrivains en Allemagne, au Cameroun, des techniciens, des ingénieurs. On commence le travail. Eric Tchindje, qui connaît bien la République, dit, nous devons travailler en personne civile. On n'est pas un parti politique. Nous allons faire quelque chose pour que la transition se passe à l'amiable. Et nous allons présenter ce travail au gouvernement. Monsieur Eric Tchindje demande. Ce n'est pas, c'est ma terrasse qui est là-bas. C'est ma terrasse. Là-bas, c'est la terrasse avec le barbecue. Je n'ai pas envie que les gens voient. La lumière dérange ici. Donc, j'ai mis le rideau pour le direct. J'ai un grand logement. Donc, Eric Tchindje demande des modifications dans les écrits du programme parce qu'on avait un gars très fort qui aimait le mot thématique. Il est au Tchad. Ce monsieur maîtrise toutes les conversations très professionnelles. Il reprend le travail. Tout le monde avait un thème. Moi, on m'avait attribué le thème du vivre ensemble. On a dit, ma faut toi, dans les idées, dans le vivre ensemble. Je suis de ça, le vivre ensemble. D'autres ont parlé de pension. Ok, restez le modérateur dans le travail. Tout le monde devait prendre la place de mon modérateur. C'est là que tout tourne en vinaigre. Malgré cela, beaucoup ont démissionné parce qu'ils ne supportaient pas le verbal d'un quai. On s'est séparés, mais moi toujours, j'allais par derrière dire « Anke, toi, Gamion, je calmais, je ramenais les gens. » Je jouais toujours la modérée. Nous décidons donc de travailler. Un jour, Anke, j'ai en colère, m'appelle et me dit à Polony Ngono, pourquoi on doit laisser les gens du gouvernement prendre les choses en main? Nous-mêmes prenons les choses. Je dis, Anke, tu as raison. Nous-mêmes, moi-même, je peux être présidente. Moi-même. Mais moi-même. Anke dit, il faut que M. Eric Tchindje prenne les choses en main. Pour moi, je pensais qu'il demandait à M. Eric Tchindje de prendre la responsabilité du forum de travail et de diriger les choses. Parce que M. Eric Tchindje restait beaucoup en arrière-plan, mais il écoute tout le monde. Voilà comment M. Nke nous dit qu'il est candidat à la présidence. Il nous dit, non, il dit, M. Eric Tchindje, l'heure est arrivée où tu dois te présenter aux élections présidentielles du Cameroun. On ne joue plus ici, M. Eric Tchindje, lance-toi et on fait un parti politique. Tout le monde était dans le coma. J'envoie le message à Anke. Anke, le type là, lui, depuis qu'il a quitté le Cameroun, lui, les histoires de politique là, il n'est pas pour ça. Il n'est pas venu ici pour être candidat à Etudi. Il n'est même pas ministre. Il n'a jamais accepté d'être ministre. Anke insiste que Eric Tchindje devienne candidat à la présidence. Tout le groupe est dans un malaise.
Tu as dit, anti. L'homme tombe voir les Minamouan. Le groupe est déstabilisé. Eric Tchindje dit, c'est quelqu'un de... Eric Tchindje, donne-moi une minute. Je vais ouvrir la porte à ma fille. Vous savez que les maisons des Blancs, on ouvre les portes avec les téléphones. On met les chauffeurs avec les téléphones. Donc, Monsieur Eric Tchindje décide et dit à Monsieur Nke, Monsieur Nke, je ne veux pas être président au Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux une transaction bien propre. Je veux que le président Paul Biya quitte. Sort par la grande porte sans guerre, sans problème, et que tout se passe bien. On ne dit jamais. Un man anglophone, l'heure est arrivée où tu dois combattre Biya. Parce que c'est à cause de lui que tu es dehors. Eric Tchindje dit non. Moi, je ne suis pas là pour être candidat. Tout le groupe de travail est renversé. Et là, un que décide et nous dit officiellement qu'il est candidat aux élections présidentielles 2025. Nous lui disons, mon cher, ce groupe de travail, non, d'abord, il se fâche parce qu'il y a un apacheur dans notre groupe de travail qui vient chercher des candidats pour les amener dans un parti politique d'ambassade qui est là-bas à Paris. Je préfère ne pas donner le nom de son parti politique. Moi-même, je suis invité là-bas. On me nomme déjà un grand poste de responsabilité à Bruxelles. J'ai dit, papa, moi je suis biaïste. Laisse-moi dans mon RDPC, pardon. Laisse-moi dans mon biaïsme. Le gars me dit, non, Apollonie, mon parti, c'est moi qui va remplacer Paul Biya. Ce monsieur me convainc d'être dans son parti politique. J'ai dit, jamais. Moi, je reste ici. Donc, on a un apacheur dans le groupe. Lui vient prendre les clients pour amener là-bas. Un cœur se fâche, un cœur dit, ce monsieur n'a pas le droit d'utiliser notre travail pour son parti. Et on n'a même pas le droit de causer avec le monsieur de ce parti politique. Nous lui disons, ok, le travail que nous faisons va servir à tous les partis politiques du Cameroun. Le travail que nous faisons, tout Camerounais pourra venir se rechercher dedans. Nous allons faire comme une sorte de Bible, comme une sorte de dictionnaire pour aider les Camerounais à connaître leur droit. Alors, finalement, ça casse. Chacun part de son côté. Un cœur devient candidat à combattre Biya. Partagez. Un jour, il me dit, Wana Polony, tu dois m'envoyer la photocopie de ton passeport. Eric Tchindje doit aussi m'envoyer la photocopie de son passeport. Il dit, eh, qui est à famille? Parce que je veux créer ONG ou machin là-bas. Je téléphone à monsieur Eric Tchindje. Je dis, Eric Tchindje, tu as déjà envoyé ton passeport. Il me dit, mais Apollony, moi, je ne peux pas envoyer mon passeport au Cameroun, tu sais qui je suis. Je ne peux pas me permettre de donner mon identité à n'importe qui, je ne sais pas où ça va atterrir. J'ai dit, à cause ça, je t'aime beaucoup, je peux même te donner même la chose là, même job. Mais mon identité, je t'aime, tu es un étoile sauvage, que si tu m'attrapes, tu me fais ça, tu me donnes, je peux te donner tout, même ça là. Mais ma carte d'identité à femme, je le tourne un peu, je le craigne. Je dis, je suis en verse, tu sais, le garage, les voitures, je mens. Je n'envoie pas ma carte d'identité. Eric aussi. Que me dit, parle à ton ami Eric Tchindje, il faut qu'il m'envoie sa carte d'identité. Je dis, ok, Wainou Aboubouze, tu veux me faire quoi avec? Il me dit, non, Eric Tchindje et toi, les deux là, il nous faut vos cartes. Moi, je ne mens pas, hein. Vous pouvez demander à M. Eric Tchindje. Hein? Finalement,
J'ai dit, Eric, Tchindjé, comme toi, tu vis là-bas en Amérique, depuis que tu es parti, là, tu ne connais pas la boue du quartier. Pardon, garde un peu ta carte. Je vais pas attendre que c'est moi qui t'avais amené. Eric n'en voit pas. Je n'en vois pas. Il se fâche. La prochaine séance qui suivait le dimanche, j'aborde le sujet que moi j'ai bavardé beaucoup. J'aborde le sujet dans le forum. Je dis, ok, demande nos cartes d'identité pour faire une ONG ou une association. Mais moi, je suis belle, je ne me vois pas. Je ne sais pas, moi je veux rester à le forum de travail. Pardon, je ne suis pas pour un parti politique. Je ne suis pas là pour chasser Biya. Je ne suis pas là pour le soulèvement. Moi, je suis ici pour travailler, conclure une solution pour la transition. Nous sommes dans le forum, hein, avec un petit Dieudonné et Somba, tous ces gens-là. Dieudonné et Somba dit, non, attendez, je saute les étapes là. Pendant un moment, il disparaît. On dit, Wanapoloni, tu bavardes beaucoup. Il faut faire la modérée dans la réunion. J'ai dit, Azambo, on m'appelle les intellectuels si elles m'ont faux français. Oh, je dis, j'ai la toux, je ne peux pas parler. J'ai dit, anti, parler avec les grands professeurs. Apollonie, avec Dieudonné, son bébé, ils vont finir avec moi. Je fuis la séance pendant 2 semaines. On m'a pris, on dit, Wanapoloni, aujourd'hui, tu vas présider la réunion. Je savais que ma foi, moi, j'ai fait la sauvagerie. On m'appelle là-bas Thatcher. Parce que je bombarde. Un cœur ne vient pas. Un cœur est porté disparu. En Apollonie, c'est ton ami. Machin. J'appelle un cœur. Un cœur levé. Mais je suis avec les gens là-bas, je ne peux pas venir. Machin. Je dis un cœur. Qui nous a rassemblés ici, c'est toi. Il disparaît. Tu es où? Maintenant, grand projet, je suis avec les gens là. Je te dirai après. Il ne venait pas. Il disparaît. Il ne répond pas au téléphone. On ne sait pas où il est. Il disparaît. Nous, on a même cru qu'il était peut-être menacé par un banquier. Partagez, partagez. Finalement, il réapparaît. Ce jour-là, je décide de balancer tout. Je dis tout. Ainsi, Dieu donnait son bar. Me sauve. Il dit, Anke, la femme-là est belge. Toi-même, tu sais que si tu prends ton passeport, moi, je suis une habituée des couloirs des ministères. Ça, c'est Dieu donnait son bar qui parlait. Si tu prends le passeport d'Apollonie Nguana, tu l'amènes au ministère, les gens-là vont y avoir les millions. Ça ne passera pas. Tu prends encore le nom de Richinje. Tu l'amènes dans le ministère. Tu vas voir comment le gouvernement va dire que donc le gars, il veut finir avec nous. Peuple Dieu de Nesoba lui dit, Anke, cherche même deux gars au quartier. Ce n'est qu'une ONG. Cherche les gars au quartier, tu mets leur nom. Voilà comment. Peuple Dieu de Nesoba me sauve de la gueule du loup. Je n'avais plus d'explication ni fuir. Malgré ça, Monsieur Eric Tchindjé me dit, Apollonie Nguana, parle à un quai. Il est avec qui? Il est dans quel clan? L'affaire là commence à chauffer mes fesses. Hein? C'est des questions qui dérangent. Eric me dit, nous on s'en fout, nous on veut quand même savoir où nos clans. Il va avec qui? Il est dans quel clan? Il est avec qui? Toujours Apollonie Nguana, dans le vivre ensemble. À peu près un quai. Comment tu vas? Le porc là, tu as vraiment le poulailler, hein? C'est joli, hein? Je commence à tacler. Ok, tu es avec qui? Onéza. Parce que nous, on a même remarqué que depuis la Coupe du Monde, là, tu n'insultes même plus. Tu n'insultes plus beaucoup. Hein? Ma nouvelle. Tu n'insultes plus beaucoup. Je sais que dernièrement, tu étais voir mon oncle qu'on appelle Barambois. Margot Boita a donné quelque chose? Non, 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 on a mangé, on a bu. J'ai dit, Anke, tu étais chez mon oncle. Mais depuis la Coupe du Monde, là, tout le monde se pose des questions. Mais comment Anke n'insulte plus?
Le grand neuf. Je commence à tacler. Hein. Oh, tu sais, je suis un grand philosophe. Il commence un peu à faire comme s'il défend le gouvernement. Il dit, hey, le truc qui voulait tuer le gouvernement, c'est l'affaire, c'est. Tu sais, ton oncle, je m'avais fait le Congo, ça, le groupe, un okay. Moi, il dit tout, hein. Je raconte au groupe que un okay a été voir mon oncle Bargonbois. Un Bargonbois lui a dit, le neuf, c'est mon protégé, tu le fous, le camp, tu ne parles plus de lui. Nous-mêmes, on était surpris que un quai a obéi à Bargonbois. Nous, on a laissé, non. Nous ne sommes pas là pour juger les fréquentations des gens. Finalement, un quai nous dit qu'il travaille avec des gens à Obala. Il est avec les gens parce qu'il veut être candidat. Je dis, un que si ce n'est que ça, moi, je lui donne des conseils. Un que ne bavarde plus beaucoup. Si tu veux être poli à la place des billets. Moi, je lui dis, mon chéri, on peut même, même tripoter ensemble. Peut-être que je serai aussi première dame. Hein? Tu es. Anke, ne fais plus les directs. Commence à t'habiller bien là. Tu sais que quand tu es. Je lui donne des conseils. Je dis, si mon frère a des projets d'être président, ce n'est pas interdit. Je vais le soutenir. Anke, laisse les directs. Anke, laisse un peu de fréquentation là. Anke, je commence à lui dire, porte le costume, parle, pose, n'insulte plus. Tout le monde me dit, il semble qu'Anke t'écoute. Hein? Je dis, mais vous savez, moi, en Apollonie, je suis veuve. Si je me grave, je serai première dame. C'est normal. Je prépare le terrain. Mes frères, Eric Tchindje dit à Anke, ton projet d'être chef d'État, oublie ce projet. Quand je te regarde, tu ne peux pas être candidat dans la République. Oh, mof midé! Vous connaissez le. Imaginez la réponse de ça. Le forum crambre. Je dis, Eric, laisse un peu. Il a la bouche, il a les contacts, il a les relations. Il va arriver. Donc, finalement, le groupe casse. Je décris le groupe. J'appelle le grand écrivain qui est en Allemagne. Comme il a failli être prêtre, je me confie à lui. Je lui dis, ah papa, Afara, je me confesse. Le groupe, c'est moi, je ne suis plus avec vous. Hein. Quand vous dites que les îles écrites ne peuvent rien faire dans le Cameroun, j'ai décidé de faire mon groupe de travail. Est-ce que tu viens avec moi? Il me dit, Wana Poloni, quand je te regarde, tu n'es pas à l'école, mais tu es formidable, je te suis. J'appelle les autres au Cameroun, ils me suivent. J'appelle Eric Tchindje, ils me suivent. J'appelle les fiscalistes, ils me suivent. J'appelle les écrivains, ils me suivent. On se retrouve au nombre de 5. Finalement, on fait notre groupe, on abandonne un quai. On dit, le groupe, si. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour tuer les Camerounais, ni les envoyer en route. Mais on va essayer de faire quelque chose et donner à Biya qu'il va l'aider à rafraîchir, à rafraîchir. À trouver des solutions pour la transition. Alors, la manipulation, c'est un groupe de Camerounais à Yaoundé qui sont derrière lui. Kalis Veyala est resté sur sa position. Critique, elle n'a pas changé de pas de danse. Dieudonné Nsumba est resté sur sa position d'observateur et d'analysateur. Il analyse, il parle. Baïbek, lui alors, on l'a injecté même au début. On ne voulait même pas de lui. Vous savez que hein, lui-même, on reste dans un groupe de travail. Anke, moi-même, m'a injecté du forum du travail, moi qui le soutenais. Quand Martinez Zoro porte disparu. Je vois un cœur se balader partout pour chercher. Martinez, je lui fais un message. Malgré qu'on a des petits problèmes du travail, là, moi je prends ça parce que moi je ne mélange pas le travail et les relations personnelles. Le travail, on peut s'insulter, mais dans la vie de tous les jours, c'est bon. Je dis un cœur, cherchons notre frère, s'il a disparu à Nevers.
je le soutiens. Après, j'apprends, quelqu'un me dit, Martinez était voir son frère Eton à la prison de Kondengi. Son frère. Zoro. Il était voir son frère Zoro à la prison. 3 jours avant son kidnapping. Je dis, ah bon? C'est normal s'il a été voir Zoro. Parce que lui, il a été à la prison, c'est normal qu'il aille donner peut-être les parts d'eau ou un peu d'argent ou même le reconforter tout simplement. Je ne voyais pas ça. Donc, Martinez est kidnappé et tué. On me dit que Nke était aussi à la prison là-bas, rendre visite. Oh, la même personne! Et qu'il est aussi parti saluer Ayoutabé. Et Ayoutabé lui a donné des conseils que petit, tu vois où je suis ici. Les gars là, ils ne rigolent pas. Calme-toi un peu. Tu bavardes un peu trop. Les anglophones ont fait une prière pour lui. Oh my God, please. Et ils ont prié là-bas. Il est rentré. Je lui dis, vous savez que moi je suis ma faux. Ah, Polonie, un cas ici, hein. Ton ami est ici à Kondengi. Il est venu rendre visite à... Au type aussi que son frère est venu rendre visite avant la mort. Il dit, ah bon, quelle coïncidence. Il est venu voir Zougandela, le type qui a kidnappé tous les bateaux. Vous savez que Paul lui avait acheté des bateaux, des pêches, pour qu'on n'aille plus en Chine chercher des poissons. Et Paul Biya a donné les bateaux de pêche à ce monsieur. Et les bateaux ont disparu dans la mer. Le Cameroun, hein. Le Cameroun, si. Dans ce monsieur où les bateaux sont restés en Espagne, où les bateaux sont à l'océan Atlantique, où les bateaux ont coulé, le Cameroun n'a plus de bateaux pour faire la pêche. Qui ignore les... Où c'était Paul Biya voulait faire, où les crevettes, c'est même parce que Paul Biya voulait faire. C'est ce monsieur que Martinez a été voir 3 jours avant sa mort. Et c'est ce même monsieur que Nke est parti voir après la mort de Martinez. J'ai dit, hey! Alors, j'observe, je regarde, je connais tous les individus de la... Hein, je les connais, j'observe. Kalis Beya la bombarde. Un K qui avait le même verbal que Kalis Beya la concrétise. L'attaque. J'ai dit, un K, pourquoi tu cherches à rencontrer un mot? Il y a une police. Il y a un inspecteur. Il y a un procureur. Il y a une belle société d'identification. Quand on tue, tu vas faire quoi? La thérapie, la psychologie? Même si tu... Pourquoi tu vas chercher Amuro? Je lui fais un message. Je peux vous le dire un cri. Moi-même, quand je regarde Amuro Balinga, avec tous les problèmes que le gars a dans Yaoundé, pourquoi il va tuer? L'histoire si est louche. Parce que s'il tue, ça va encore le mettre dans la merde. Moi-même, je doute. Ok, je lui écris comme ça. Hein, que l'histoire-ci, ça peut même être ses propres amis, ses propres frères. Parce que le gars a déjà trop... J'ai la peur d'avoir les numéros aussi. Hein. J'ai les numéros, j'ai les contacts. J'ancre dans toutes les portes de Yaoundé. J'ai dit, ça peut même être ses propres frères pour faire payer Amour. Ça peut être même ses propres frères pour soulever la nation. Ça peut être même ses propres frères pour que les deux camps s'affrontent. C'est-à-dire qu'on va accuser le camp A, on va accuser le camp B. Je lui dis, j'ai appris que tu étais en prison, ok, mais fais attention. Hein. Tu sais, les loups là, ils ne rigolent pas. Hein. Ils ne veulent pas qu'on les enlève la nourriture à la bouche. C'est-à-dire que c'est la bagarre des éléphants ou des lions. Il ne faut pas te mettre là-bas dedans, hein. Il me dit, j'ai compris. Je reçois un voice. Quand Remy Ngono fait le direct, Remy Ngono nous relate toute la vérité et la manière qu'on a kidnappé Martinez Zogo. Je regarde, j'écoute Remy Ngono, je dis, bravo mon frère Onongul. Onongul, mais gars,
tu as l'info. J'applaudis, je dis non. On va attraper les assassins dans quelques jours. La manière que Rémi Ngono a déjà donné le A1, ça prouve que le gars là, il a le numéro. Il a la connexion. J'écoute. Après, je reçois les messages. Jeune fille, je vais vous mettre les voices. Je vais vous mettre les voices. Bon, j'étais pas là, les gars. Je raconte juste ce que on m'a aussi dit. L'un de mes clients à Bastos, voilà, qui fait aussi partie du gouvernement. Donc je le dis même. S'il vous plaît, les gars, je vous en prie, ça doit rester dans le groupe. Pardon. C'est la fille qui parle. Elle dit, je veux... Est-ce que le son est bon? Bon. Je n'étais pas là, les gars. Je raconte juste ce que on m'a aussi dit. L'un de mes clients à Bastos, voilà, qui fait aussi partie du gouvernement. Donc je le dis même, s'il vous plaît les gars, je vous en prie, ça doit rester dans le groupe. Pardon. Désolé, mon Apollonie, je ne suis pas encore professionnel. Désolé, je voulais mettre le baffle à côté. Bon. Je n'étais pas là, les gars. Je raconte juste ce que on m'a aussi dit. L'un de mes clients à Bastos, voilà, qui fait aussi partie du gouvernement. Donc je le dis même, s'il vous plaît, les gars, je vous en prie, ça doit rester dans le groupe. Pardon. Attendez, désolé. Connectez-vous. Pardon. Connectez-vous. Attendez. Marie, je n'ai que les voix, s'il te plaît, je ne les retrouve pas. Je n'ai que les voix, je ne les retrouve pas. Désolé, connectez-vous. Vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude des enregistrements des gens. Moi je connais pas ces choses là. Viens mettre les voix, s'il te plaît. Maman, je vais déjà. Commence par le premier. Oui, mais ah. Maman, c'est déjà là. Ah d'accord. Maman ne connaît pas. Bon. Je n'étais pas là, les gars. Je raconte juste ce que on m'a aussi dit. L'un de mes clients à Bastos, voilà, qui fait aussi partie du gouvernement. Donc je le dis même, s'il vous plaît les gars, je vous en prie, ça doit rester dans le groupe. Pardon. Demain, viens toi-même, n'envoie pas les bandits. D'abord, m'envoie même les bandits. Faut les envoyer, hein. Non, ça c'est lui qui parle de sa mort. La Prado qui a porté Martinez Zogo le jour de son assassinat a été louée pour 4 jours. Donc, pour couper court, la Prado a fait plus de 4 jours. Donc, la Prado a fait 6 jours. Elle a été louée à raison de 100 000 francs la journée. Puisqu'ils ont fait 6 jours avec la Prado, ils décident d'aller rendre la Prado au propriétaire dont son nom est Badiou Ousmane. Sa société est à côté de l'hôtel Dundé. Quand ils vont rendre la Prado et les 200 000 qui restaient à verser, vu qu'ils ont fait 6 jours, ils avaient déjà versé
400 000, donc l'argent de 4 jours. Donc, il fallait qu'il finisse avec les 200 000. Le propriétaire de la Prado décide de faire le tour du véhicule pour voir si sa voiture est rentrée en bon état. Il se rend compte que la voiture a du sang, il y a du sang sur la banquette arrière. Alors, il demande donc au conducteur, au chauffeur qui s'appelle Assim Gaëtan, l'un des employés de la société Ranger Security, dont le DG, dont le patron est Amougou Beninga. Mais le grand patron même de la société Ranger Security appartient au beau-père de Amougou Beninga, le colonel Etounzi. Ça, c'est la partie où la fille dit. Assim Gaëtan appelle donc Amougou Belinga pour lui dire que voilà, ça a bardé. Le monsieur, le propriétaire de la voiture, a remarqué qu'il y a du sang, voilà, donc je fais comment? Amougou Belinga appelle le directeur de Vision 4 Finance pour qu'on défalque 15 millions pour acheter le silence de Badiou Ousmane. Badou Ousmane refuse et menace de dénoncer. Bon, pendant que ça se passe, l'un des frères de Badou Ousmane, le propriétaire de la Prado, l'appelle pour lui dire, mais je vois là dans les divers, voilà. Dans les réseaux sociaux, là, il y a une Prado LT, blablabla, qui ressemble beaucoup à ta voiture. Il s'est impliqué dans une histoire très, très louche. Alors, Badiou Ousmane confirme à son frère que, justement, il est comme ça devant sa voiture, il remarque qu'il y a du sang. Voilà, vous connaissez, je vais pas trop tirer. Alors, Bon, on a déjà écouté. je n'étais pas là, hein, les gars. Je raconte juste ce. Vous comprenez donc la manipulation pour nous brouiller les pistes en utilisant cette femme de répliquer comme si c'était elle qui a donné le A1 à notre frère des dossiers noirs, Rémi Ngono. On nous fait croire que c'est elle qui fournit les indices et toutes les choses à Rémi Ngono. Je suis resté calme. J'ai dit, ma foi, les pareilles choses, c'est inacceptable. Elle raconte, mot par mot, virgule près, ce que Rémi Ngono a raconté. Je trouve que la manipulation, il faut l'arrêter. Quand donc je découvre que certains veulent envoyer les enfants dehors, veulent le soulèvement, c'est là que j'envoie un message. J'envoie un message à Cathy Meba. Je lui dis, Cathy Meba, l'histoire-ci, je vois déjà qu'on veut faire de la récupération. Dis à ton père. Dis à ton père de faire très attention. Cathy, l'histoire, si trouvons une solution avant que les gens s'y ne lavent le cerveau à la nation pour mettre le chaos. Voilà ce que j'ai dit, que j'écris à Calis, à Cathy Meba. Il était peut-être 20 h, ou je ne sais pas. Cathy fait une petite vidéo qu'elle poste sur sa page Facebook.
Voilà, Polonie, je regarde la vidéo, je passe, non, je fais mon travail. Moi, je suis dans le vivre ensemble et j'essaie de trouver des solutions de gauche à droite. Cathy me bat, décide de faire une petite sensibilisation en demandant aux jeunes de ne pas se laisser prendre au jeu de manipulation. Elle parle à la Leki. Le soir, Cathy me bat, me fait le message. Elle me dit, Maf, j'ai fait le message, tu as vu? J'ai dit oui. Maf, je suis même ici avec les jeunes. J'essaie de les calmer. Je dis, c'est bon, bien joué. Merci, Cathy. Tu as fait ton job. Je m'en vais aussi larguer ma fille Brenda là-bas et dire, Brenda, toi-même là, tu tentes ton histoire de Dieu. On peut finir avec toi. La même manière que les bandits là peuvent finir avec toi, Brenda, même le garde du corps peut venir un matin et dire, la femme si est, tu es née avec une cure en argent. J'ai bien perdu mon temps et cette galette, tu le gars finit avec toi. Brenda, pardon. Brenda sort, elle assiste, elle poste, elle soutient, elle dit, justice à Martinez. Elle dit, ma fille, moi, je n'ai pas envie que les gens fassent du mal à Brenda. Donc, quand il faut la protéger, je donne les conseils de maman. Elle m'écoute, elle fait tout. En passant, venez voir ma faute pour l'achat de tous les produits de bris, mèches, produits de beauté. Regardez la beauté de ça, comment les produits me rendent belle. Donc, pour tout commande des produits de Brenda, je vais vous diriger vers le lien. Vous achetez chez elle. Moi, les histoires d'argent, je ne suis pas dedans. Mais les produits sont haut niveau. Regardez. Hein? Ma faux. Hey, ma fille Brenda. Le commerce de ça, on va installer des usines au Cameroun pour ça. En passant. Voilà. Je lui ai promis ce matin que j'allais faire la pub de ces produits faits. Alors, Cathy Meba interpelle les jeunes. Elle joue son rôle. Elle m'informe. Il était peut-être minuit, 1h du matin. Je dis, ma soeur, c'est bien. Comme tu as déjà fait ça, c'est bon. À ma grande surprise, je vois mon frère Onké avec des hommes là, de la lait qui est, avec un tissu rouge par terre, en versant le vin, en donnant 45 jours créneau, si les gens là ne meurent pas. Les hommes là sont là avec des tenues traditionnelles. Je regarde les tenues traditionnelles, je dis, maf, moi-même je suis une Voktumbala initiée. On ne porte pas ce genre de tenue-ci. Il faut le vrai au bon. Les écans savent de quoi je parle. Il n'y a même pas une chèvre. Il n'y a même pas le balafon pour faire rêver. Parce que quand on fait les rites traditionnels, il faut le balafon. On coule. Pour réveiller les morts. Il faut sonner le tam-tam pour ouvrir la terre. Et les élites, s'ils vont seulement verser le vent rouge comme ça, je fais le direct. Parce que moi, je dénonce. Mon direct permet à ce que la vidéo aille loin. Moi, mon but, c'est que ça aille loin. Ma vidéo, ce n'est pas pour vous. Je fais le direct en habillé en tigresse. Une bombe et une foulaine. La panthère des foulaines. Je m'habille en panthère. Je dis, je n'ai jamais vu les gens de rue traditionnelle ici. Il n'y a pas les danseuses, il n'y a pas les mamans, parce que ce sont les mamans qui ont tout ça dans leur utérus. Il n'y a que les hommes. Ils ne portaient même pas le baume. C'est un tissu d'écorce. Comme aussi les autres ont leur. C'est un tissu fait main. Et les hommes, là, pour faire ça, il faut une chèvre. Il faut une chèvre. Il faut des tam-tam pour ouvrir la terre. Hier soir, je reçois vers 21h le vrai message des patriarches qui disent que ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux, là, la vidéo qui circule, ce n'est pas eux. Eux, ils soutiennent. Ils savent qu'ils ont confiance à Paul Biya. Paul Biya va leur donner la justice. Ils présentent la mort de leur fils à Biya. L'histoire là que le cadavre va aller être enterré en Vomoka, ce n'est pas eux. L'histoire là que le crâne, la lettre qui est mort, ce n'est pas eux. Je dis au gars là que, tu sais, moi à l'heure,
C'est l'heure où moi, faut, je suis endiablée dans mon lit pour mon chéri. Les dossiers, là, ça va attendre demain. Le matin, vos bombardes, on a agrandi les images que je lisais bien. Nous n'allons pas céder à la manipulation. Le peuple, la nation camerounaise n'est pas là pour dire c'est tel. Vos regards de clan, faites ça là-bas. Ça ne nous concerne pas. Nous voulons simplement qu'on mette les coupables derrière les barreaux. Nous ne voulons plus ce genre de massacre horrible dans le Cameroun. Voilà où le Camerounais est touché. C'est la violence faite à Martinez qui choque la nation camerounaise. C'est la brutalité et la sauvagerie avec tout ce qui va avec, qui touche tout être humain qui peut être un peu avec un cœur. Il faut être un diable. Jusque les hommes leur disent que ce sont les gens de l'armée. Vous n'allez pas manipuler la population. Vous avez fait les enquêtes, découvrir que c'est l'armée qui a tué Martinez. Mais vous ne trouvez pas les coupables? Vous n'allez pas nous manipuler. Et si vous tentez, je vais encore parler plus que maintenant là. Je ne suis pas là pour gâter. Je dis à la jeunesse camerounaise, aux Camerounais, de ne pas céder. Cette fois-ci, la mort de Martinez va régler beaucoup de problèmes, mais pas dans la déstabilisation. Pas dans le tribalisme. Toi, Zoro, garde ton tribalisme, sinon je vais déballer tous tes secrets dehors. Là, tu ne me connais pas très bien. Je t'ai laissé parce que j'ai promis à mes ancêtres, parce qu'on m'a dit, ma faut tuer pour le vivre ensemble. Laisse Zoro, je t'ai laissé, mais je te guette, je te regarde. Zoro, avec ton tribalisme, je veux finir avec toi. Vous n'allez pas gâter mon Yaoundé. Vous les salauds, toi-même tu as pris l'argent du gouvernement. Tu as fait le chantage comme Martinez Zoro. Tu es différent de Martinez Zoro. Aou. Hein? Aou. Marie-Claire, je n'étais pas là pour dire que c'est amoureux. Je n'étais pas là pour dire que c'est tel. Nous savons, même si nous savons, nous imaginons. Laissez un peu aussi la justice. Vous pensez que même les procureurs là n'en ont pas marre qu'on les tienne par des couilles? Voilà un qui a démissionné. Voilà l'autre qui a été tué. On ne parle même pas d'un ministre qui est mort au Cameroun. Nous ne sommes pas là pour mettre la psychose à la tête des Camerounais. Les Camerounais souffrent déjà. Ils ont leurs problèmes. Je parie et je suis sûre et certaine que les procureurs en ont marre de ne pas avoir l'autorité. Je suis sûre et certaine qu'il y a un commissaire qui veut exercer sans coup de fil. Vous trouvez normal que tu es commissaire. Tu ne peux même pas mettre un bandit en prison. Le coup de fil vient. La transition se passera. C'est pourquoi je dis le seul candidat, c'est Maurice Kamto. Les autres là, ce n'est que des sous-RDPC. Ils vont continuer à vous faire la dictature. Vous croyez que pour moi, c'est facile d'être biaïste et d'aller atterrir chez un MLC? Je suis biaïste. Mais je m'accroche au MLC. Parce que je veux survivre. Vous pensez que pour moi, c'est agréable? Que moi, la fille de Bia, je valorise le MRC? Je ne sais même pas valoriser mon parti parce qu'il y a des criminels. Et je suis consciente de ça. Qu'il y aurait ou pas, ça se passera aux urnes. C'est pourquoi on vous demande de faire vos cartes d'identité. C'est pour cela qu'on vous demande d'aller voter.
ça, nous serons dans les élections. C'est ce choix. Ils en profitent parce que Paul Biya a été là jusqu'à 2025. Vous voulez faire quoi? Paul Biya a nommé ses gens dans des postes clés. Qu'est-ce que vous voulez? Même Paul Biya est pris dans son propre jeu. Non, je ne vais jamais dire aux Camerounais de se soulever. Je n'irai jamais au sens de ces blogueurs. Je ne suis pas celle qui va déstabiliser le Cameroun. Je suis celle qui va rassembler le Cameroun. La même manière que Paul Biya est président des gens du MRC, quand tu seras aussi président des gens du RDPC. Je suis biaïste. Mais je cherche la sécurité de tous les Camerounais. Et la sécurité des Camerounais sera chez Maurice Kamto. Dans mon parti, dites-moi qui peut relever le RDPC. Dites-moi, donnez-moi son nom ici. Il est où ce candidat? Nous n'avons pas de candidat, le RDPC, c'est mort. Tous des corrompus. Regardez la succession, c'est la guerre des clans. Et vous voulez que j'en craigne la nation dans cette guerre des clans? Vous voulez que je vienne faire un verbal? Vous croyez que pour moi c'est agréable de dénoncer un ami, un frère, comme un quai? C'est un frère, mais je veux qu'il arrête. Ça fait mal de le dénoncer. Mais je dois le faire pour l'intérêt de la nation. Atterrissage forcé pour moi au MRC. C'est avec le cœur serré que j'atterris au MRC. Je ne vois pas notre parti fiable. J'ai discuté avec Mamoudou Mota d'autres jours. Je me suis dit, est-ce que le RDPC peut avoir un jeune comme Mamoudou Mota? Nous avons parlé longuement de politique, de cette mosquée à droite qui n'a que les gens du RDPC, de cette mosquée qui est à gauche, qui n'a que des clients du UNDP, et ceux qui sont contre les deux font la messe sur leur natte à la maison. Vous savez ce que subit le Nord? Ils ont divisé le Nord jusque dans les mosquées. Quand tu vois un frère nordiste dans la mosquée là, ça veut dire qu'il est du MRC. Si tu le vois dans la mosquée là, ça veut dire qu'il est du RDPC. Et quand tu ne le vois même pas dans la maison de l'imam, ou Baloué, je ne peux pas conduire la nation dans le sang. C'est ce que beaucoup veulent. Ce n'est pas la solution. Je dénonce même mon propre père d'avoir laissé le Cameroun. Je dénonce mon président Paul Biya. Quand j'entends qu'à Douala, les médecins ne vont même pas assister au cours. Un professeur a dénoncé que je donne les cours à l'université pour les médecins. Si j'ai 300 élèves, il n'y a que 5 qui viennent au cours parce qu'ils ont les numéros. Ils ne viennent même pas à la pratique. Mais ce sont ces gens-là qui vous soignent. Et vous êtes surpris qu'il y a des morts? J'ai été invité à la BAS. Parce que la BAS va organiser une marche, le 4. J'ai été invité. Patrice Nouma a été invité. On nous calcule, on nous crée des crêtes là-bas à la BAS. Parce que nous sommes différents d'eux. Oh, Patrice Nouma a trahi. Oh, Patrice Nouma fait ceci. Mon cré, le seul Camerounais que Patrice Nouma a trahi. Arrêtez ça, vous de la BAS. Patrice Nouma vous dépasse. Oh, mon Apollonie, enregistre les gens. Je suis incapable de mettre même un son dans le téléphone à un bar. Je dois appeler ma fille. J'ai le temps de vous enregistrer.
Villageoise, ils croient quand tu regardes une femme comme moi debout. La présidence, j'ai des oncles. Je leur tourne le dos. Parce que je trouve qu'ils ne font pas du bon boulot. Patrice Luma et moi avons assisté à cette réunion de la basse invitée par leur président qui va se faire à Paris. J'ai osé dire à cette séance de vidéoconférence en leur demandant, j'ai dû se proposer, hein? Je n'ai pas imposé. J'ai dit, une marche le 11 février sera une très belle chose parce que Martinez Oro était jeune. On a ôté la vie à un jeune. Et j'ai dit, vous voulez faire comme d'habitude, faites attention à ce que vous avancez. Les gens ne supportent pas de faire la marche avec vous parce que pour vous, vous appelez ça comment? Moi, je dis, faites une marche blanche. Et invitez tout Camerounais, qu'il soit du RDPC, qu'il soit du MRC, qu'il soit de Cabral. Ils m'ont dit, ils ne veulent pas du RDPC à la marche du 4. Parce que le RDPC est leur ennemi. Ils ne veulent pas de moi à la marche du 4 parce que je suis une biaïste. Il y a un qui a dit, tu es une modérée. Mon frère, tu ne vas pas m'influencer à devenir brutal et sauvage. Vous avez essayé de faire ça avec Kamo la Panthère. Je ne suis pas ce genre-là. J'ai dit, le mot manifestation, c'est compliqué. Les Camerounais ne viendront pas s'il y a le mot manifestation. Voilà où je suis, voilà ce que j'ai dit à la base. Manifestation égale violence. Et les Camerounais veulent aller au Cameroun, ils ont peur qu'on leur filme, qu'on mette leur nom, qu'on leur voit. Beaucoup ne viendront pas à la marche avec le mot manifestation. J'ai dit au président de la basse, mettez marche blanche. Tout le monde est concerné dans la perte de Martinez Zorro. Même moi qui suis biaïste, ils ont dit que le RDPC ne peut pas marcher à côté d'eux. Donc quand Kamto sera président, Kamto sera président que du MRC. Donc Kamto sera président du MRC. Quand je dis que tout Camerounais doit venir dénoncer le 4, qu'il soit du RDPC, même s'il portait RDPC. Mais c'est bien. Ça veut dire que ce monsieur du RDPC est contre le crime. Villageoise, il croit, me dit non. Qu'elle aille faire sa marche à Bruxelles. Ma chérie, si je veux organiser une marche à Bruxelles, j'ai un carnet d'adresse des grandes personnalités des Nations Unies, du FMI. Ça ne m'intéresse pas la marche. Tu as compris, de la du quoi? Tu n'es pas une femme avec qui je peux faire un combat. Je ne crains pas dans la boue. J'ai juste dit, votre marche, laissez tout Camerounais venir. Compatir avec la famille de la victime. Laissez tout Camerounais venir montrer. Et cette marche, quand même Paul Biya va voir que tous les Camerounais de toutes sortes d'origines, tous Camerounais de tout clan politique, tous religions, marchaient main dans la main pour dire non, ça sera une justice nationale. Ils m'ont dit jamais. Ils m'ont dit jamais. Voilà la basse qui dit faire des choses pour Kamto. Incapable même. Des incapables même de maîtriser les sujets politiques. Incapable de rassembler tous les Camerounais. Toujours dans la division. Telle a des vues. Telle a... Si je veux faire du vue, j'ai fait des scandales. Je sais comment je peux mettre 1000 personnes là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux faire un soir à 1000 Camerounais là, je sais ce qu'il faut faire. J'ai grandi. J'ai décidé d'avoir mon parti politique dans 5 ans. Mais entre-temps, je suis encore MRC. J'ai atterri chez Kamto. Allez-y.
Parce que mon RDPC n'a pas de candidat. Qui est là? Amoureux. Qui? Franck Biya. Ils sont même incapables de dire à Paul Biya qui leur succède. Qui peut oser dire au RDPC qu'il veut pas passer Paul Biya? C'est, tu vas en prison? Aucun ne peut dire que Attar Biya, je te représente. Comme Marie Le Pen a pris le pouvoir de son père. Même Franck Biya peut dire à Paul Biya qu'il prend le pouvoir. J'irai la marche locale. Chassez-moi. Et je porterai le RDPC. Je porterai le biaïste. Si Kamto est président, il sera mon président avec mon biaïsme. Si Kamto est voté, il sera le président des hommes lords de Yaoundé. Il sera le président de mon enfant bébé Kamto. J'ai donné le nom de Kamto à mon petit enfant. Vous croyez que c'est rien? C'était un signe. Bébé Kamto a grandi. Je le protège des réseaux sociaux. Je le montre plus dans les réseaux sociaux. Parce que je veux qu'elle grandisse. Les États ont voulu me tuer. En disant comment tu donnes le nom de ton petit enfant à Kamto. J'ai dit, allez vous faire foutre. Elle s'appelle Léa Kamto. Elle s'appelle Léa Kamto. Nia Yibose. Fallait voir les menaces dans les groupes et camps. Vous m'avez insulté. Hein? C'est pas normal. Comment tu peux mettre le nom de petit enfant Kamto? Elle s'appelle bébé Kamto. Nia Yibose. Donnez aussi le nom à Paul Biya ou machin. Moi, j'ai choisi de l'appeler bébé Kamto. Vous allez faire quoi? Si Kamto me dit, Mgana Polony, viens devenir député, j'irai. En attendant, quand j'aurai les moyens de faire mon parti politique, si Kamto me dit, Mgana Polony, parle pour moi, je vais bavarder. Même quand je peux m'interdire de parler même pour lui. Quand je parle là, il m'a demandé l'autorisation. Est-ce que Kamto sait que je parlais pour lui? Je parle parce que je vois une voie, une sortie, un lieu d'espoir. Le bout du tunnel, je le vois avec Kamto. Si le RDPC avait un leader valable, j'allais me battre pour lui. Il n'y en a pas. Tous des vieux, des malades, des violeurs, ils meurent de mort subite. Les plus jeunes sont assassinés. Ils s'entretuent. Moi, je n'ai pas envie d'être dans le couloir des gens qui bagarrent. Ça ne m'intéresse pas. Qu'ils se battent. C'est pourquoi j'interpelle à Tanganji. J'interpelle à Yolo. J'interpelle Ngongo aujourd'hui. Je ne vous ai jamais interpellé assez. Mettez un peu vos égos de côté. À Tanganji, à Yolo, Ngongo, Mbalgangele et So. Si aujourd'hui vous êtes des hommes puissants, c'est grâce à Paul Biya. Soyez un peu reconnaissants. Biya vous a fabriqué. Biya vous a fabriqué. Et pour le remercier, vous mettez le Cameroun dans une psychose. J'invite ceux qui sont à Etoudi, ceux qui sont à côté de Biya, mettez un peu vos crégos de côté. Aidez un peu ces vieux à avoir un soupir en paix. Arrêtez cette guerre. Ça ne sert à rien. Mettez un peu vos différends. Il ne s'agit pas de vous. Vous, les ministres, il s'agit d'une nation. Il s'agit d'une nation, pas de vous. Le Cameroun a besoin de nous tous. Quand je parle avec Mamoudou Mota,
Il me regarde dans les yeux. Il sait que je suis du biaïste. Il sait que j'aime pas le bia. Lui et moi, on parle sans problème. Quand je vais à Kodengi voir à Yutabe, il m'embrasse. Il m'a pas dit, ton bia, tue mon peuple. Ayutabe me reçoit avec un grand sourire sur son banc dehors au soleil. Mais quand je vais voir le ministre à côté, me disent, envoie la Polonie, regarde, je suis en prison. On m'a jeté ici, je n'ai même pas volé. C'est un problème de guerre de famille. La plupart des gens qui ont dit qu'ils ont détourné, c'est le problème de famille de couloir. Beaucoup de ministres, certains n'ont pas volé. On les jette en prison parce que la guerre de succession est là depuis presque 5 ans. Quand est-ce que le clan Ayutabe m'a poignardé? Ils m'ont insulté? Il faut arrêter ça. Kamto sera le président de tous les Camerounais, il l'a dit. Kamto sera... Je ne sais même pas si c'est lui. Quand si le MRC gagne des élections, parlons du MRC, laissons un peu Kamto. Celui qui va venir va gouverner pour tous les Camerounais, de tout âge, de toute sorte d'ennemis. Mais pour moi, en ce moment-ci, je préfère m'accrocher sur son pied. Je n'ai pas envie d'être dans la guerre des clans. Je ne peux pas avoir un discours tribaliste. Kamto ne sera pas le président des Bamileke. Il sera le président des 10 provinces. Paul Biya n'est pas le président des Ekam. Paul Biya n'est pas le président. Les quelques années qui nous restent, c'est pour toute une nation. Nous parlons d'une nation. Alors vous là, arrêtez vos petites histoires. Ça ne donne rien. Ça n'aide pas le Cameroun. Les gens ont des vrais problèmes. Ne profitez pas de la mort de Martinez pour mettre la haine est activée et mettre le feu, le sang dans le Cameroun. Parce que tu cherches à te connaître, parce que tu veux te positionner, parce que tu as faim, parce que tu penses qu'on va t'appeler, te donner un peu d'argent pour... Non, il n'y aura pas d'argent. Amoubeliga ne donnera pas d'argent. Si Amoubeliga est coupable, la justice, même la justice divine va le faire. Si c'est un gongo, même la justice divine va le faire. Laissez un peu la famille pleurer, même le défunt. Vous calculez déjà. Il n'est même pas encore enterré. Aucun respect de la dépouille, ni par les assassins, ni même encore par des amis qui sont restés. Alors, mes frères et sœurs, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Le message est, jeune nation, ne cédez pas, ne cédez pas à la déstabilisation du Cameroun. Le Cameroun est un beau joyau. Le Cameroun est un diamant qu'il faut juste tailler pour donner la valeur. Et pour le faire tailler, nous irons aux urnes. Et les urnes, c'est avec vos cartes d'identité. Ne cédez pas. Vous souffrez déjà assez. Ils ne sont pas là avec vous. Je demande aux journalistes de passer le message. Ce n'est pas le désordre qui va bâtir le Cameroun. Ce n'est pas la déstabilisation qui va gagner le Cameroun. Mais c'est la sensibilisation d'aller voter massivement, de prendre conscience et de quitter le mauvais camp pour se ranger au camp des meilleurs. Et moi, Rwanda Polony, je m'accroche au camp des meilleurs. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Une fois de plus, mes condoléances à la famille Akristi. Vous n'allez rien gagner sur la mort de Martinez. Vous qui voulez exploiter, faites attention. Un seul mot, allez vous inscrire sur la liste électoral et prenez vos cartes de membres et passez le message. Je suis une biaïste, mais je n'ai pas de leader.
mon leader. Ne me posez pas des questions. C'est déjà assez dur pour moi. C'est déjà assez dur. Mais je n'ai pas le choix. Bon après-midi à vous tous et à très bientôt.